Kinstedt pour son troisième ligne qui n'était autre que Venter. Allez, on fait le ménage, Van der Westhuizen, le drop de B entre les poteaux. Quel beau drop de Jenny De Beer. Et encore une opportunité saisie par l'Afrique du Sud. Montgomery a tapé loin au fond. Là, on voit De Beer au ralenti, comme dans un rocking chair, passer ses trois points. Mais au préalable, Montgomery avait tapé au fond sur Perry. Perry a voulu relancer, s'est fait plaquer. L'Afrique du Sud a récupéré tout de suite le ballon, a provoqué un regroupement. Et Van der Westhuizen a sollicité son demi d'ouverture. Erasmus, puis le pilier qui vient passer à El Hazit et De Beer. Peut-être de tenter le drop. Oh, ça ne passera pas. Si, c'est passé entre les poteaux, le drop de De Beer. Ah, les Sud-Africains viennent de breaker en l'espace de 5 minutes. Montgomery qui renverse. De Beer face au poteau tente le drop qui frôle le poteau droit et qui passe et qui rajoute 3 points. En tout cas, vous avez vu encore sur un ballon perdu par les Anglais, Fleck a récupéré le 3 quarts centre sud-africain. De profiter des ballons. S'ils ne sont pas propres, Van der Westhuizen avec Müller. Müller qui libère son ballon derrière Van der Westhuizen. Et encore De Beer qui est dans une position très confortable pour marquer son troisième drop consécutif. De Beer fait très très mal. Cinquième drop de sa carrière sous le maillot des Springboks. Très simple, Müller est allé percuter au centre du terrain, le 3 quarts centre, provoque un regroupement. De Beer se met dans l'axe, à 15 mètres derrière, protégé par son paquet. Van der Westhuizen tranquillement, bonne passe vissée. Et De Beer, comme à la parade, comme à l'entraînement, passe 3 points de plus. Ah, les Anglais vont devoir essayer de trouver d'autres solutions. Ils vont devoir provoquer la chance, peut-être prendre des risques, mais prendre des risques réellement face à l'hémisphère sud. On marque des points au pied, mais il est très difficile de les prendre en défaut à ce niveau-là, que ce soit les Blacks, les Australiens ou aujourd'hui l'Afrique du Sud. Müller encore qui vient travailler pour De Beer dans un fauteuil pour un quatrième drop, il ne va pas le faire. Si, quatrième drop consécutif pour De Beer, il est en train d'assommer à lui tout seul la formation britannique. C'est exceptionnel, 4 drops dans une rencontre internationale. Ah oui, mais ça, c'est ça récompense le travail de ses avants, de la défense, car bien sûr, il passe 4 drops, il rentre peut-être dans la délégation. On s'organise autour du porteur du ballon et ça va donner une opportunité à Otto de partir au ras. Oh, De Beer. De Beer, qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est pas possible! C'est pas possible ce qu'il est en train de réaliser! Cinquième drop de Jenny De Beer! C'est du jamais vu en quart de finale d'une Coupe du Monde! 5 drops dans la même partie, c'est la première fois qu'un joueur passe 15 points en drop goal dans un quart de finale de Coupe du Monde!